Melo, je descendrai pas en fin de compte un petit coup Melo parce que franchement il a très bien passé. Puis en fin de compte, les juges ont décidé que Melo avait gagné. Tout de même surprenant parce que le premier juge, Millette, un gars qui a déjà fait de la boxe puis qui connaît très bien la boxe, a donné 47-45 à ma faveur. Puis que les deux autres juges reviennent par en arrière puis qui donnent l'avantage à Melo, j'ai trouvé ça un peu fort, parce que pour moi, je suis quelqu'un que j'avais une bonne avance dans le combat, surtout dès le début du combat. J'ai contrôlé le combat pas mal à ma façon, même si le monde pensait que Melo avait le combat. J'avais sûrement pas le combat de la façon que je boxais, parce que c'était dans mon programme de boxer en contre-puncher avec Melo. Parce qu'en fin de compte, c'est un type qui vient toujours à l'attaque, puis il manque un peu d'expérience. Mais tout de même fort pareil, il a très bien fini le combat. Franchement, il a fait un beau combat. Est-ce que Melo vous a... Very good fight experience for me, and it was a hard fight. I thought I was going to knock him out around the sixth round, but I didn't, and I fought a cautious fight because he was a champion. I had a lot of respect in there for him. Okay, but it was a non-title fight. Then what's going on with you now after that? Well, we're supposed to fight him back on December 5th for the title. It is more than supposed. Yeah, well, it's signed, like on the contract, to fight him back after 5 weeks from today.